toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. À la une de ce soir. Le dialogue intermalien a commencé ce samedi au niveau des communes du Mali. Cette étape doit permettre de recenser les propositions et les recommandations des communes pour la paix et la réconciliation au Mali. Après l'annulation du premier résultat pour cause de fraude, les 65 000 candidats et autres vont à nouveau tenter leur chance pour être recrutés dans la fonction publique de l'État. Le lancement officiel s'est tenu ce samedi à Bamako. Les détails, ce sera dans ce journal. Sécurité grandissante dans leur commune, les jeunes du village de Gouraban, dans la commune de Gounzoureille, dans la région de Gao, ont décidé de s'impliquer dans la sécurisation de leur commune. Et pour ce faire, ils ont mené des patrouilles nocturnes aux alentours de leur village. Et voilà donc le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré ce samedi 13 avril 2024 à la presse malienne, à la maison de la presse. Objectif, saluer et exprimer sa reconnaissance à l'endroit de la presse pour son engagement dans la réussite des activités du dialogue intermalien. Par la même occasion, le comité a sollicité l'appui des faits tiers de la presse pour la poursuite du dialogue intermalien dont la phase communale a débuté ce samedi. Le compte-rendu est signé Bakary Msidibé. La presse occupe une place prépondérante dans la vie d'une nation. Considérée comme le quatrième pouvoir, sans son apport, toute initiative pour la stabilité, le développement socio-économique est vouée à l'échec. C'est conscient de ce rôle central que le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a jugé nécessaire de rencontrer les organisations professionnelles, les patrons de presse, les journalistes, les travailleurs des médias pour que chacun à son niveau puisse s'impliquer pour le succès de l'initiative des autorités. Notre bien commun, c'est le Mali. Et nous voudrions que vous, de la presse, vous, les fêtiers de la presse, vous, les journalistes, vous, les présidents de ces organisations, vous puissiez dire que notre pays traverse des moments difficiles. Utilisons nos micros, nos plumes, notre intelligence, notre savoir-faire pour que toutes les Maliennes et tous les Maliens se rassemblent pour dire voilà le chemin commun que nous devons emprunter pour sortir notre pays définitivement de ces crises cycliques. Depuis l'installation du comité du pilotage du dialogue, la presse publique et privée malienne n'est pas restée en marge du processus. Par la voix du président de la maison de la presse, les fêtières de la presse s'engagent à accompagner le processus. Presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne, tout le monde s'est impliqué pour le succès de cette opération. Et je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la phase communale a commencé. Après la phase communale, il y aura la phase régionale et la phase nationale qui va avoir lieu du 6 au 10 mai. Déjà, un dispositif important est annoncé avec l'ensemble des partenaires, la presse. Il y a les retransmissions en direct, il y a la couverture d'événements. Il y a vraiment un accompagnement total de l'ensemble de la presse malienne pour le succès de cette opération. C'est le lieu vraiment de remercier tous les acteurs médiatiques maliens qui sont en train de faire un travail remarquable pour accompagner ce comité. À noter que les assises du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au niveau communal ont démarré ce samedi et prendront fin le 15 avril prochain. Et oui, les phases communales du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont bel et bien débuté ce samedi, comme prévu par le comité de pilotage. Et comme beaucoup d'autres communes du pays, les autorités municipales de la région de Mopti ont ouvert les travaux du dialogue intermalien pour faire des propositions pour le retour de la paix et pour la réconciliation nationale. Moussa Traoré, Soumaïla Aya,
correspondance. À Mopti, dans la Venise malienne, c'est l'hôtel de ville sur la berge du fleuve Bani qui a abrité la phase communale du dialogue intermalien, une initiative lancée le 5 février 2024 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette phase communale dans le Soudoubaba a impliqué les autorités locales, les autorités traditionnelles, les organisations religieuses et les autres forces vives. À l'occasion, les autorités locales ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette phase communale qui s'est déroule avec la mise en place de 5 commissions thématiques de discussion. On est très satisfait de la participation de l'ensemble des chefs de quartier d'abord, déjà, c'est important, et les autorités coutumières traditionnelles, les religieux, et la jeunesse, la société civile, la CAFO, et l'ensemble des ethnies sont représentées ici. Donc c'est au-delà même des quartiers, c'est l'ensemble des couches socio-professionnelles même qui sont représentées pour cette assise au niveau communal. Donc ça ne fait que renforcer davantage la cohésion sociale et entre les fils du pays. Ces 3 jours doivent être mis à profit pour identifier les sources de nos problèmes et travailler avec assiduité et détermination pour proposer en bon père de famille des solutions pouvant améliorer les conditions de vie des braves filles et fils de ce pays. Le chemin est long pour parvenir, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Chacun des participants se voit un ambassadeur de cette phase du dialogue intermalien à Mopti, qui constitue, selon l'avis de certains, une étape importante pour la résolution des conflits, particulièrement dans la région de Mopti. Il faut l'implication des femmes, des personnes vulnérables, dans tout le processus de développement de la commune urbaine de Mopti. On va la sécurité, pour que la phase communale du dialogue entre Maliens a bénéficié du soutien populaire dans la ville à travers un rassemblement dénommé Mopti, à travers la mobilisation des 11 quartiers de la ville de Mopti affectés par la crise multidimensionnelle au centre du Mali. Quand les Maliens se parlent entre eux, c'est nous qui connaissons nos coutumes, nous connaissons nos mœurs, nous connaissons nos cultures. Nous savons qui est qui. La personne qui te connaît, c'est la personne qui peut parler de toi. La personne qui te connaît, c'est la personne qui peut te faire des concessions. Donc, que nos différends soient réglés ailleurs, ça c'était même une honte pour nous. Notre slogan le plus ardent, c'est quoi? C'est la lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont en chômage. Nous lançons un appel solennel aux autorités de la transition de songer particulièrement à l'emploi des jeunes. Au terme de cette phase locale du dialogue entre Maliens et Mopti, plusieurs propositions et recommandations seront formulées afin d'enrichir les phases régionales et nationales. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les épreuves écrites des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État pour l'exercice 2023 a débuté ce samedi 13 avril 2024 après l'annulation du premier résultat pour cause de fraude. Le lancement officiel s'est tenu au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche. Les épreuves se poursuivront chaque week-end jusqu'au 5 mai prochain. La Sindia Kité, compte rendu. L'ouverture de cette enveloppe par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social marque à nouveau le début des épreuves écrites des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État. Au total, 65 817 candidats, dont 45 965 pour Bamako seul, participeront à ce concours pour se faire une place dans les différents corps de la fonction publique de l'État. Profitant de l'occasion, le ministre a rassuré les Maliens, plus particulièrement les candidats, que toutes les mesures sont prises pour éviter la mauvaise expérience qui a conduit à l'annulation du premier concours. Nous sommes des humains. Et puisque nous sommes des humains, il peut arriver des choses qui peuvent nous échapper. Mais, Inch'Allah, ce serait la dernière Inch'Allah. Toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait un concours nickel, propre, transparent. Donc, basé sur l'équité et la justice sociale. C'est ce message que nous passons à tous les candidats et aux parents des candidats. Je crois que c'est un message que les gens ont déjà compris, sans rentrer dans les détails. Donc, les gens ont déjà compris ce que le gouvernement veut.
Pour sa part, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a invité les candidats à compter sur l'effort personnel. Ne trichez pas, soyez constants, ne regardez pas à côté, à gauche ou à droite. Nous comptons sur vous pour le Mali de demain. Et donc vraiment, respectez toutes les consignes que vos professeurs vous ont indiquées pour le bon déroulement de ce concours. On vous souhaite bonne chance, que vous soyez les meilleurs. Bonne chance. Rappelons que les résultats issus des concours organisés en des fins de l'année dernière ont été annulés par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social le 5 février dernier suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude et de corruption. Conseil national de transition, le colonel Malik Diaoua a reçu successivement en audience ce vendredi 12 avril 2024 la directrice payée de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et le secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de lutte contre la drogue. Il s'agissait pour les visiteurs d'échanger avec le colonel Diaoua sur la mission de leur structure afin de renforcer le cadre de collaboration avec le Mali. Bakary MCDB. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est un partenaire clé du Conseil national de transition depuis des années. Une organisation qui travaille sur les questions de participation à la vie publique en mettant en œuvre des programmes spécifiques. Cette rencontre avec le président du Conseil national de transition était une occasion pour la structure d'exposer leurs travaux afin de consolider leur partenariat avec l'organe législatif de la transition. À la sortie d'audience, la directrice pays de l'Institut s'est montrée satisfaite. Il était très satisfaisant pour nous d'écouter le président du CNT et les honorables membres du CNT qui nous ont rappelé leur engagement pour la promotion de la démocratie au Mali et pour la participation particulièrement de la jeunesse, puisque c'est l'un des axes de travail clés du NIMD, la formation de la jeunesse politique et démocratique du pays pour contribuer à la refondation, pour que le Mali Koura puisse se faire avec des Maliens Koura et que nous puissions ensemble mettre en avant les valeurs universelles, les valeurs fondamentales de la démocratie. Donc nous sommes très satisfaits de ce retour d'expérience que le CNT a partagé avec nous, mais également des différents conseils et analyses qui nous ont été prodigués. Le président du Conseil national de transition a aussi reçu le secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de lutte contre la drogue. Celui-ci, nouvellement nommé, était venu prendre du conseil auprès du colonel Diaou et solliciter son appui pour la réussite de sa nouvelle fonction. Parce que vous savez, la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue a été créée depuis 2015. Mais l'opérationnalisation s'est effectuée il y a presque un an. Et depuis quelques mois, sous le sceau du ministre de la Sécurité, il nous a mis à disposition un local et nous affectait un personnel d'appui. C'est dans ce cadre que, depuis quelques semaines, nous avons entrepris aussi des visites de courtoisie pour essayer d'expliquer les missions qui nous sont assignées. Parce que vous savez, l'une des missions phares aussi, c'est de mettre en place une politique nationale de lutte contre la drogue. Qui sait que le CNT est aussi l'institution, c'est-à-dire régalienne dans ce sens. C'est pour cela que nous avons tenu aussi à rencontrer le président. À en croire les hôtes du jour, ces différentes rencontres avec le président du Conseil national de transition auront sans doute des impacts dans leur collaboration, à savoir la participation active des citoyens dans la refondation du pays et la lutte implacable contre la drogue. Par ailleurs, après l'annonce du décret de suspension des activités politiques, jusqu'à nouvel ordre par les autorités de la transition, les contestations et les appels à l'abrogation se sont fait entendre. Outre l'Organisation des Nations Unies, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ainsi que la Maison de la presse, désapprouvent le décret et annoncent leur inquiétude. Le point avec Amadou Diarra. 24 heures après la suspension des activités des partis politiques, des associations à vocation politique par les autorités de la transition malienne, des contestations fustigent. Tout d'abord, dans un communiqué, l'Organisation des Nations Unies demande au gouvernement d'abroger le décret. L'ONU ne cache pas sa préoccupation face à cette nouvelle décision des autorités de la transition. Tout comme l'ONU,
la suspension des activités des partis politiques, associations ou regroupements à vocation politique par le décret numéro 0230 PTRM du 10 avril 2024 inquiète les défenseurs des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH exprime sa préoccupation dans un communiqué datant du 11 avril. Elle désapprouve la décision tout en annonçant ses inquiétudes pour la stabilité du climat social dans notre pays. Pour la CNDH, le dit décret porte atteinte à certaines libertés fondamentales, notamment les libertés d'association, d'opinion et d'expression. Aussi, en se fondant sur la Constitution du 22 juillet 2023, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la CNDH rappelle les responsabilités de l'État sur la protection des citoyens et sur la garantie des libertés fondamentales dont la liberté d'opinion, d'association. De ces faits, elle appelle l'attention des autorités sur le fait que l'exercice des droits civiques et politiques, ci-dessus évoqués, constitue l'essence d'un État démocratique respectueux des droits de l'homme. Les hommes des médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à s'abstenir des propos incitatifs à la haine et à la violence. Enfin, la CNDH encourage les autorités à persévérer dans la promotion du dialogue inclusif, constructif, gage d'une paix durable. La direction des établissements scolaires Calanso et Codanso a organisé ce samedi la deuxième édition de sa journée porte ouverte au public. Cette initiative est dans l'optique d'informer les visiteurs de leur système pédagogique et les rassurer de la qualité des enseignements fournis dans leurs établissements. Plusieurs personnes, dont des parents d'élèves, ont pris part à cette excursion, ainsi que le reporter Gabriel Keïta Montalawatar. Pour la deuxième année consécutive, Calanso et le lycée Codanso ont ouvert leurs portes au public. Cette journée vise essentiellement à mieux faire connaître les deux établissements, mais aussi d'exposer au grand public leur système pédagogique. L'avantage de cette porte ouverte, c'est de faire connaître notre environnement aux parents. Parfois, les parents, ils ne viennent pas dans nos murs directement. Ils ont tendance à aller dans les services administratifs, mais là, c'est une immersion. C'est une immersion dans le quotidien des élèves, une immersion dans le quotidien des enseignants pour prendre justement conscience de qu'est-ce que l'école. Comme quoi l'école, ce n'est pas qu'une formalité, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu d'apprentissage. Donc c'est des compétences qu'ils acquièrent et c'est pour cette raison que cette journée porte ouverte est importante à plus d'un titre. Et ça donne l'occasion au public de découvrir tout ce que nous menons ici, au-delà de l'académique pur, ce que nous faisons aussi en plus en termes de développement des compétences de nos élèves, de nos apprenants. Cette journée porte ouverte, émanant de la direction des établissements, a été une occasion pour les élèves de faire valoir leur savoir-faire aux visiteurs. Non seulement ça nous permet de découvrir plein d'autres choses, ça nous permet également de mieux s'orienter, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'école ENCO exactement. Il y a quoi? Qu'est-ce que les élèves font? C'est juste pour comprendre exactement comment se déroule l'établissement en gros. Après avoir vu les élèves à l'épreuve, les visiteurs ont exprimé leur satisfaction de la qualité de l'enseignement fourni dans les deux établissements. C'est une journée très intéressante. J'ai eu l'occasion de visiter les stands. Et j'ai eu l'occasion de me faire accompagner par des élèves. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les élèves qui m'ont présenté de façon très brillante tout ce qu'ils ont comme expérience. Donc je trouve que c'est vraiment une journée très intéressante. Ça permet de créer un éveil au niveau des élèves. Et moi-même j'ai appris en tant que parent d'élève, en tant qu'ancien élève puisque j'ai été élève, mais ça m'a permis de me remémorer. Pour cette deuxième édition de la journée porte ouverte, les participants ont visité les stands d'exposition et apprécié les démonstrations des élèves. Je vous le disais en début de journal, les jeunes du village de Gourabon, dans la commune de Gounzoureille, dans la région de Gao, mènent depuis quelques semaines des patrouilles nocturnes aux alentours du dit village. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Ces opérations de surveillance nocturne ont permis de diminuer les actes de braquage selon les organisateurs. Ils précisent également que les patrouilles vont continuer jusqu'à la stabilisation de la zone
et l'arrêt des braquages entre Gourabon et les autres villages de la commune de Gounzoureï dans la région de Gao. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Prochain grand soir, lundi 19h, au plaisir de vous retrouver. Bonsoir.